Ok. On est 27 mai, il est 11h30. Samedi 27 mai, on est à Totavel. Petit village du sud de la France. Avec un chien qu'on promène Lucky. Qui s'appelle Lucky. Et donc, on va aller attaquer tout de suite dans le vif du sujet. Lucky, est-ce que c'est une question de chance? Tout ça. Une guérison de calvitie. Une fonction qui régénère le corps humain. Attends, je le détache. Lucky, est-ce que c'est une question de chance? Pas loin, Lucky. Non. Il y a une vraie science derrière. Il y a des vraies découvertes fondamentales. Aussi fondamentales que cette guérison. Donc, je me suis fait arrêter par la gendarmerie hier soir. Il y a un joli endroit, tiens, un cirque. Je ne connaissais pas, super. On va se poser là. Je vais vous montrer un peu. Je n'ai pas encore venu ici. C'est un mini cirque romain, un peu. Avec des gradins. Donc ça fait plus d'un an maintenant, ça fait juillet 2021. Que je dis les policiers qui me surveillent à l'époque. Il passait tous les jours, j'en ai immédiatement parlé, quoi. Hein. J'aurais dit, écoutez, je crois que j'ai découvert un truc là sur le corps. Je vais guérir de ma calvitie et c'est en train de me réparer ma santé. Donc, d'entrée de jeu, j'en ai parlé aux policiers. Après, j'ai envoyé des courriers au maire, à l'huissier qui m'expulsait, au parquet certainement. Hein. J'ai prévenu le tribunal. Et là, je suis retombé sur des mails. Donc, je suis convoqué là dans quelques heures à la gendarmerie. Parce que bon, je roule pas en règle, hein, j'ai trop de difficultés pour vivre. Et donc, j'ai retrouvé des mails que j'ai envoyés en 2020. Donc, carrément, j'écrivais au procureur de la République pour porter plainte, quand même, carrément. Où j'expliquais tout, déjà. Ça fait trois ans, hein, déjà que je m'adresse à la justice de façon claire, nette. En disant que voilà, j'ai envoyé ce courrier pour un commissaire à la Cour des comptes, hein, au maire de ma ville, pour prévenir de cette découverte arithmétique de première importance qui venait un petit peu couronner un peu mes travaux de philosophie, mais en fait non, hein, il fallait aller plus loin et jusqu'à découvrir cette fonction là ici. Donc maintenant on est dans le domaine de la santé et donc ça valide, on peut dire que si l'arithmétique elle vient un peu couronner ma découverte philosophique, on va dire que là elle vient valider cette découverte physiologique, vient carrément valider tout mon travail. Alors sans dire que tout ce que j'ai écrit, tout est vrai, hein, vraiment j'ai commis beaucoup d'erreurs, à la limite dans mon processus de recherche je fais exprès de commettre des erreurs grossières ou d'être à côté, hein. Ou des fois je le fais pas parce que j'ai trop de lacunes, mais en tout cas les résultats sont là, ils sont à la portée de mes propos, hein. C'est à dire que mes propos étaient vraiment très consistant, enfin avec beaucoup de contenance, hein, et le résultat est à la hauteur, la poste. Le résultat est à la hauteur de voilà, étant à la mesure des propos, hein. Donc là ça y est, j'arrive vraiment tout en haut, et ça m'a refait les dents, toute ma mâchoire, donc ça m'a tout reconstitué. Donc avant-hier, j'ai passé une après-midi à Samas parce que j'ai un grand trou, j'avais un nez trou énorme là qui finit de faire. Et vraiment des douleurs difficiles à supporter. Il y a eu des moments difficiles, hein. 2 ans pour guérir, donc plus d'un an que j'en parle sur les réseaux, ça fait plusieurs mois. Souvent j'ai dit c'est bon, c'est pour demain, donc j'ai été décrédibilisé. De pas être dans le timing, quoi, hein, parce que c'est une découverte. Donc moi je pensais vraiment que ça irait plus vite. Je voyais les couches qui se superposaient, et puis en fonction à peu près, je disais, bon, ben là, ça va aller vite. Et puis en fait, non, ça correspond exactement à ce que j'ai découvert vraiment, enfin, dans la même logique, en 2012, en philosophie. C'est-à-dire que c'est un tout petit mouvement fini qui définit tous les infinis, et à l'infini, c'est-à-dire que ça,
ça s'arrête jamais, ça s'arrête jamais. Il y a une espèce de... Comme c'est une spirale sur 5 étages, hein, deux axes. Hein, je rappelle la découverte de cette fonction, deux axes qui forment une spirale et arrivent en haut et recommencent. Donc c'est sempiternel, ça tourne à l'infini. Mais à chaque fois, ça rajoute une couche, ça rajoute une couche, ça rajoute une couche, et ça rajoute des cheveux, des cheveux, des cheveux, des cheveux. Donc cette fonction, avec le temps, il y a un effet de gravité avec le temps. Et cette fonction, elle fait un petit peu l'inverse de l'effet de gravité avec le temps, c'est une fonction électromagnétique. Donc qui fait pousser les cheveux, les ongles, etc. Donc un rapport au corps avec les déchets, justement comment ils traitent les déchets. Et donc cette fonction, comment l'expliquer puisqu'elle remet en question, jusque dans la théorie des nombres, les fondements de la logique, tout, la pensée, la philosophie, la rationalité, même la métaphysique, les religions, tout. Religion dans le sens vraiment une nouvelle approche du temps, où le temps devient fonctionnel. Et du coup, cette toute petite différence de conception du temps, elle a la faculté de revoir toute notre manière de nous représenter le monde et le mouvement même, en fait. Hein. Le mouvement, l'inexplicable vie de cette nature qui est à aurore des villes. Donc voilà, retrouver du sens, la raison, parce que voilà, ce genre d'espace, la canicrotte par exemple, bon, ça n'a strictement aucun sens. Ça c'est quelque chose où on ne comprend pas l'état, donc justement l'état est à l'espace, parce que le temps est au capitalisme. On ne comprend pas du tout notre rapport au temps et à l'espace, c'est un plastique lent avec une poubelle à côté. Bon. On a des gros problèmes au niveau du service public, ce qui concerne donc l'espace. Et puis tout ce qui est au niveau privé, on voit bien que la guerre de tous contre chacun, les sociétés sont complètement corrompues par le matérialisme. Donc on est dans une crise de civilisation, une crise de sens. Ça fait plus de 10 ans que je le dis, donc au niveau philosophique, qu'il fallait quelque chose de positif, de puissant, de plus puissant que tout, que toute cette folie meurtrière hein, qui s'est abattue sur le monde depuis cette mondialisation ratée en fait. Hein, voilà, on s'est un peu loupé au niveau de la mondialisation. C'est devenu une espèce d'idéologie totalitaire, voilà, gouvernée par la finance et voilà, qui est devenue cruelle, d'une cruauté de pire en pire. On est reparti dans cette logique-là. Donc je découvre une nouvelle raison mathématique, je le disais. Au procureur de la République le 9 mars, hein, j'ai retrouvé des lettres du 9 mars, du 20 mars 2020, hein, où j'explique tout ça. Hein, et je leur demandais déjà à l'époque de pouvoir écrire ma thèse, pouvoir écrire des articles, travailler des scientifiques. Donc aujourd'hui, à l'heure actuelle, où je parle d'algèbre pure, je parle d'une fonction d'organisme qu'il faut absolument comprendre et tout pour les scientifiques, et on me demande d'écrire un article scientifique, on me dit sur Facebook, donc là c'est ce matin encore, hein, on m'a dit oui mais sur Facebook vous n'êtes pas crédible, hein, vous n'avez pas écrit d'article et tout. Donc moi j'ai la preuve qu'il y a 3 ans, j'implorais, enfin j'exhortais la justice hein, de ce pays, les scientifiques aussi, parce que j'ai envoyé le courrier aux universités, j'ai même un courrier, j'ai envoyé au Conseil d'État. Hein. Donc vraiment pour dire, prenez mon travail au sérieux, j'ai besoin d'écrire une thèse, j'ai besoin d'écrire mes travaux, c'est dans l'intérêt de tous. C'est pour le bien commun, c'est pour le service public, l'intérêt général, ce que vous voulez. Et résultat, récompense, on m'a à nouveau volé mes affaires, à nouveau j'ai pris 4 mois ferme pour vol d'énergie, menace de mort. Vol d'énergie, rendez-vous compte, hein, moi j'ai des théories sur l'information, sur le public et tout ça. Et puis voilà, hein, et puis ostracisé, et puis bon, ça allait très loin, quoi, voilà. Donc menace de tuer mon chien, menace de mort, hein, clairement. Hein, l'année dernière, l'année d'avant, j'ai failli vraiment mourir. Un portail dans la gueule, voilà. Hein. Donc ça va loin. Et là, je suis convoqué à gendarmerie, je vais aller en prison à tout moment. Alors si j'y vais pas à 15h pour une manifestation d'assurance, quelque chose, bon, voilà. J'ai 4 mois à faire. Hein, depuis les janvier. Donc moi ce que j'aimerais comprendre, enfin ce que j'aimerais dire, c'est que voilà, si on est sur le point de mettre en prison, pour en plus c'est pour des histoires, voilà, c'est des procès montés de toutes pièces, tout ça. Donc quelqu'un qui apporte des solutions aux sciences, mathématiques, philosophiques et médicales, hein, carrément,
on est dans une logique toujours, bon, c'est une logique complètement fataliste, on dit de toute façon, voilà, je discutais avec un jeune de 20 ans ce matin, c'est ça qu'ils ont dans la tête, hein, les jeunes, hein, c'est mort, hein, l'humanité, elle va disparaître, on va jamais tenir. Donc toute cette idéologie moribonde et macabre, tout ce qui nous pend au nez, là, c'est cette guerre, c'est pas fatal. Enfin, c'est fatal dans le sens où on condamne l'humain. Bon, là, je suis à Totavel en plus, hein, donc c'est un site préhistorique, musée de la préhistoire. Je suis devant le musée de la préhistoire. Donc, c'est pas mal, il faut se resituer dans le contexte. Moi, ce que j'ai découvert, c'est quelque chose qui vient, qui est profondément humain, qui est dans la nature. Donc, l'humain, il a 8 millions d'années théoriquement, enfin, aujourd'hui, si on en fait. Là, je suis à l'homme de Totavel, voilà, hein, c'est vraiment très ancien tout ça. Ce que je découvre, c'est ça. Hein. C'est, j'ai rien découvert en fait, simplement. L'électricité, ça a toujours existé. Hein. Quand Maxwell il a fait ses équations, la nature elle n'a pas attendu Maxwell pour faire l'électromagnétisme. Donc ce que je découvre, c'est pareil. Hein. Ça a toujours été là de toute éternité, mais encore fallait-il que la modernité s'en imprègne. Se reconnecte avec un fondamentalisme, quelque chose de très fondamental dans la nature. Hein. Donc là, je me mets derrière. Quelque chose de vraiment très fondamental dans la nature dont on n'en a pas conscience, c'est inconscient. Niveau de Côte-Avel, préhistorique. Donc il y a quelque chose dans la nature qui est présente partout, dans le sens au niveau de l'atome, au niveau du corps, de notre corps physique et au niveau stellaire. C'est la même constante. C'est une seule et même, un seul et même principe. Merde, j'ai perdu du titre. Pas de bol, un coup de ma chance. Lucky ! Lucky, t'es où ? Putain, il y a le musée qui est ouvert. Viens ici, Lucky ! Lucky ! Lucky ! Lucky ! Donc bon, voilà, mon anniversaire, c'est dans quelques jours. Mardi, on est samedi. C'est le 31 mai. J'espère vraiment qu'ils vont sortir. Parce que là, je me suis conduit exprès pour l'occasion. On voit bien la différence. Donc je suis chaud, plus qu'à ce moment-là, un petit peu, enfin je suis chaud, c'est-à-dire que je suis encore de l'air nu. On voit, hein, le reflet n'est pas encore tout noir, il y a encore le reflet, mais ils sortent. Mon crâne est vraiment tout rond. Et voilà, j'ai une santé de fer, et bon, je commence à prodiguer des soins un petit peu à droite à gauche, donc des fois ça me fait, enfin sur un animal, j'ai fait ça sur ma chaîne, je lui ai soigné un truc grave, qu'elle avait dans l'œil, et c'est parti dans les oreilles, après là je finis de la guérir. Donc moi j'aimerais simplement à l'issue de cette vidéo, bon de toute façon je sais qu'il va y avoir 3-4 vues, 5 vues, 10 vues, je sais pas, 100 vues, mais c'est pour vraiment, ça me sert d'alibi d'une part, de preuve pour la guérison, et puis bon voilà, pour des traces dans l'histoire de ce qui s'est passé, pour laisser des traces, et je retrouve pas le chien là, je suis en panique. Lucky ! C'est pas le mien. Si je le perds au musée. Voilà. Et du coup, bah, on sait pas si ça se passe bien cet après-midi. Je me fais embarquer par les gendarmes. On sait jamais. Comme ça, je vais la poster tout de suite. Et puis voilà, il faut voir. Comment en fait l'histoire se configure. Un autre temps, on aurait certainement brûlé sur la place publique pour propos hérétiques ou quoi que ce soit. Voilà, maintenant ce que je dis, c'est qu'on est des êtres rationnels en 2023 et qu'il s'agit quand même d'une bonne nouvelle à ce niveau-là. Après le reste, ce qu'on va faire de l'ordinateur quantique et ce qu'on va faire de toute cette puissance, si on arrive à maîtriser la fusion, qu'on comprend l'énergie infinie dans l'univers, qu'est-ce qu'on va en faire, c'est à nous justement de décider, hein, et de surtout de mettre des cadres. Enfin, des cas, des limites, hein. La bioéthique c'est vraiment important, il faut qu'on construise un monde plus cohérent et voilà, qui ne se retourne pas contre la nature et contre l'humain. Retrouver d'abord la santé. Là, il est temps de négocier justement avec les institutions, les pouvoirs publics, les banques et les capitaux privés, et que tous ensemble on remette. La machine en route, mais ce coup-ci dans la bonne direction, mais pas contre le mur. Voilà, on arrête là-dessus, faut que je retrouve le chien. Je sais pas où il est. À plus tard.